Et coucou! Alors, petit live imprévu, complètement imprévu, comme je les aime, pour vous parler du passage énergétique qui s'ouvre eh bien, cette nuit à minuit, donc pour demain, le 15 mai. Et c'est un passage qui est sous la vibration du 55, vibration qu'on avait déjà eue début mai, le 5 mai. Cette vibration du 55, sauf que là, demain, eh bien, cette vibration est doublée. Elle est en, voilà, elle est multipliée par deux, c'est-à-dire que deux fois plus d'impact et deux fois plus d'énergie par rapport à ce qui s'est déjà déroulé sur le 5 mai. Alors, je vous rappelle la signification de cette vibration en 55. C'est une vibration qui est quand même très forte. Qui va amener une énergie très stimulante, une énergie, on va dire, de conquête, une énergie de compétition. C'est-à-dire qu'on va trouver des solutions par rapport à des problèmes en cours, on va trouver de l'énergie vraiment pour faire ce qu'on a à faire, pour se mettre en action. On est vraiment, voilà, dans une énergie qui est très bouillonnante. Alors, bien évidemment, elle a aussi ses revers négatifs. Qui dit bouillonnement dit risque d'explosion. Dit aussi des excès dans certaines attitudes, soit un peu têtu, soit très en colère, voilà. Et dit aussi, bien sûr, effectivement, des tensions et des luttes plus ou moins internes à cause de cet effet de bouillonnement. Donc le 55, c'est une vibration que j'aime beaucoup puisque du coup, elle remet dans l'équilibre. Excusez-moi, j'ai mes chats qui se battent. Je parle d'équilibre justement. Donc cette vibration, elle est là pour remettre les choses dans l'équilibre, vous ramener sur l'équilibre, sur ce que certains appellent le point zéro ou la zone neutre, cet équilibre-là, tout comme ça. Et c'est ce qu'elle va nous amener pendant une dizaine de jours, puisque cette vibration 55 doublée va nous suivre là jusqu'au 25 mai. Hein. Donc là, on va être parti pour 10 jours. Et donc, elle va nous apprendre des mots qu'on aime plus ou moins, comme la patience, la diplomatie, la sagesse. Et du coup, si on arrive à harmoniser ces trois tempéraments, c'est-à-dire à vraiment passer à l'action, mais tout en gardant un peu de recul et de la sagesse, et cette patience, cette diplomatie pour ne pas exploser, se mettre dans l'équilibre, eh bien, ce qu'on va mettre en place va réussir à apporter des résultats très positifs. Donc voilà, on est sur une vibration qui est, voilà, bousculante, stimulante pour passer à l'action. Il va falloir manœuvrer dans cet équilibre pour éviter de se faire envahir, de bouillonner, d'exploser. Donc, voilà, travail sur soi et sur les perceptions. Donc, si vous sentez sur cette période bousculée, si vous sentez que c'est compliqué, n'hésitez pas à travailler votre ancrage. C'est important pour rester dans l'équilibre, pour être bien sur votre chemin, bien dans l'action, d'être ancré. Je le répète encore et toujours, l'ancrage est important. Donc, on marche pieds nus à la maison, on marche pieds nus dehors quand on peut, quand vous allez faire des balades en nature, donc que ce soit à la forêt, en rivière, à la mer, à la montagne, bref, dès que vous pouvez, mettez-vous pieds nus. Même au boulot, si vous pouvez, mettez-vous pieds nus. C'est super important pour l'ancrage. C'est une technique qui est toute simple et qui fonctionne très bien. Vous pouvez aussi, bien évidemment, porter les pierres d'ancrage. Si vous avez la tourmaline qui fonctionne bien et qui est assez douce quand même en énergie. Et bien sûr, des méditations d'ancrage. Encore et toujours. Donc, voilà, travaillez votre ancrage, équilibrez vos perceptions, essayez de ne pas vous faire happer par cette énergie bouillonnante là pendant 10 jours. On prend patience, diplomatie et sagesse en maître mot pour ces 10 jours-là. Et vous allez voir que les idées vont arriver, les actions à faire vont arriver, vous allez les mettre en place tranquillement et les choses vont se débloquer. Voilà ce que je voulais
vous dire sur cette belle vibration doublée du 55, donc qui démarre demain, le 15, jusqu'au 25, et le 25, nous changeons de vibration. Et oui, il ne faut pas trop s'habituer aux bonnes choses. Il faut éviter la routine. Donc, il nous faut changer régulièrement de vibration, ce qui est assez marrant. Voilà ce que je voulais vous dire. Coucou à celles qui nous ont rejoints en cours de route. Voilà. Donc, petit live imprévu sur cette vibration du 55. Eh bien, je suis en train de réfléchir à vous faire des lives un peu plus régulièrement, si cela vous plaît. Cette fois-ci, en vous prévenant. Et de temps en temps, des lives le soir à 21h. C'est là où tout le monde est plus disponible, on va dire. Donc, si ça vous intéresse, ces lives le soir ou un peu plus de lives sur la page, mettez-moi en commentaire. Si vous êtes OK, à quelle heure, quel sujet vous voulez qu'on traite. Voilà, j'avais déjà demandé il y a quelque temps, donc j'ai quelques idées, bien évidemment, mais il y a des nouvelles personnes sur la page, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes par MP. Je suis disponible, je réponds le plus vite possible en fonction de mon travail et également à commenter sous la vidéo. Voilà, sinon par rapport à ce que je vous ai dit donc sur ce fameux passage énergétique, eh bien je vous invite également c'est à partager la vidéo autour de vous à vos amis. Je pense que ça peut être d'une grande utilité de savoir quelle énergie va arriver et comment se positionner par rapport à ce qui va bouger sur ces prochains jours. Voilà, en attendant, bah, écoutez, moi je vous souhaite une belle après-midi. Une belle semaine. Et donc, on va commencer à regarder pour programmer des lives sur des thèmes et des lives aussi de guidance comme je faisais il y a quelques mois. Voilà, tout ça va revenir tranquillement sur la page. Et ce n'est pas une promesse en l'air. Voilà. En attendant, bah, écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une belle fin de semaine et puis à tout bientôt pour un prochain live un peu plus long ce coup-ci, c'est promis. Bisous!